Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, son nouvel épisode de Elite Dangerous. Il y a un gros lag sur mon doigt de ma connexion, excusez-moi. Je viens de me faire intercepter comme vous avez pu le voir donc par apparemment un vaisseau de la flotte. Ce qui ne me plaît pas du tout. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. You make me feel love. Vaisseau de la flotte impériale, casse-toi, sac à caca. Hop. On reprend notre chemin, chers amis. On se fait intercepter comme ça par les flics, l'air de rien, bizarrement. La raison inconnue. C'est très très étrange. Pour le plaisir, sans doute. J'imagine qu'ils se font bien chier. Donc je me rends au Schmidt Orbital. Je ne sais plus, il me semble qu'on y est déjà allé, mais qu'il n'y avait pas de munitions. Et ça me ferait bien chier, chers amis, parce que j'aimerais bien quand même continuer à faire ma petite chasse à la prime. Alors, voyons voir. Approche, je pense qu'on s'approche suffisamment pour mettre les gaz. Hop là, on est bon. Croisez les doigts, chers amis. Si je me suis trompé, ben je me suis trompé. Il faudra que je note dans mon carnet simplement qu'il n'y a pas de munitions du tout dans le système. Et nous ne sommes même pas fichus d'apparaître dans le bon sens. Approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous. Boum. De toute façon, nous sommes suffisamment prêts pour toujours demander, enfin faire une demande d'appontage en tout cas. Scotty fera qu'on se rende. Si on, s'il n'y a pas de munitions, on se rend dans Scotty et on fera. What? J'ai perdu. C'était ça l'entrée, pardon. Et la voilà. Hop. Approchons-nous tout doucement. Scan detected. Tout doucement. Je n'ai rien. Je suis sympathique. Non, ne venez pas m'emmerder. Piste d'atterrissage 19. Elle est dans le fion. Elle est dans le fion. Et c'est là qu'on peut voir, chers amis, que le jeu a bel et bien subit un downgrade graphique apparemment pour pouvoir en fait être plus fluide, tout simplement. C'est à dire que bien que le jeu soit très très beau, etc, 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 la quantité de fumée, de vapeur, etc, etc, présente dans le jeu crée un problème de fluidité, donc avec des baisses de framerate intempestives. Et plutôt que d'attaquer directement au problème, ils ont décidé, en tout cas pour l'instant, de s'attaquer directement au. En fait, en attendant de pouvoir simplement régler le problème, pour améliorer la qualité de jeu, pas forcément la qualité visuelle, mais la qualité de jeu, ils nous ont downgradé les graphismes du jeu pour pouvoir. Voilà, on a des munitions, etc. Parfait. On va quand même se rendre hop, à Scotty. On va quand même regarder là. Alors. Donc certaines mauvaises langues disent donc que, eh bien, que c'est dû au fait à l'arrivée du jeu sur Xbox One, si je ne me trompe pas. Et donc justement, tout ça serait en fait un piège, entre guillemets. Ils downgradaient en fait la version graphique du PC pour dire, ah regardez, en fait, sur PC c'est pareil que sur Xbox. Avec, donc au passage, comme petite information supplémentaire, je vous en parle, l'arrivée du QCQ, ce qu'ils appellent le QCQ, il me semble, QCQ, qui correspond en fait, bah attendez, Close Quarter Combat, non, CQC, CQC, voilà, c'est ça. Donc en fait, un mode de jeu, donc en dehors du mode sandbox apparemment, se déroulant, quant à lui, dans
des zones de combat, tout simplement des zones, on va dire entre guillemets fermées, donc dans l'espace toujours, mais bien bel et bien fermées. Où en fait l'objectif c'est de tuer l'équipe adverse, hein, tout simplement. Donc on a dit qu'on allait se rendre dans le système Scotty. Non, je vais pas être stupide non plus. Le système. Oh, le système Scotty, on a dit. Hop. Parfait. On va aller récupérer nos munitions. Nos primes. On avait quand même 100 000 crédits de laisser chez Scotty, ce qui était une véritable bêtise de ma part. Oh, le champ gravitationnel, c'est bon. C'est tant bien que mal, hein, on a chié. Donc voilà, on va récupérer nos 100 000 crédits là-bas. On va essayer de faire quelques crédits en revenant. Tout ça sur deux épisodes, je pense. Et donc, toujours essayer de nous rapprocher du Vulture, hein, qui est un objectif, entre guillemets, secondaire l'objectif principal actuel. L'objectif secondaire étant simplement amasser suffisamment d'argent pour passer, par exemple, au Cobra MK3 ou à autre chose, nous permettant de tenter un petit peu l'aventure sur le principe du minage et du commerce. Donc voilà. J'avais promis qu'il y aurait des lives sur ce jeu. Il y en aura, je vous l'assure. Ça y est, ah bah tiens, il y a des zones de conflit. Wait a minute. Où est-ce que je suis censé aller pour ces primes? Bon bah écoutez, on va se rendre dans la zone de conflit forte intensité. Si des gens sont au courant du pourquoi, du comment, n'hésitez pas à me le dire, hein, tout simplement. Si les gens savent comment je peux résoudre ce problème, écoutez, je serais ravi de recevoir votre aide quant à ce sujet délicat de 100 000 crédits, ce qui n'est pas rien. Ah, voilà. Babakin Duck. C'est pas dans la bonne direction. Voilà. En plus, il y a une forte intensité juste à côté. C'est parfait. C'est absolument parfait. En fait, on n'aura même pas de voyage à faire, de voyage supplémentaire à faire. Tout va se faire d'une seule traite, chers amis. C'est génial. Absolument génial. Bon, bah en voilà une bonne nouvelle. Hop. Ils sont devenus fous. Plus on sera loin de cet endroit, mieux on se portera. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai hâte de me rendre sur la violence, la mort, partout. Notre seule chance, c'est la fuite. J'ai hâte de pouvoir rentrer dans ce combat, donc, disais-je. Ça va être sympa. Le voilà. Hop. Préparons-nous. J'arrive pas à le dire plein de fois. Préparons-nous. Nous allons bientôt sortir du système Super Cruise. Sinon, j'espère que les séries actuelles vous plaisent. J'espère que la série. Alors, vous m'avez. Pour beaucoup déjà. Alors, ça fait à peine quelques heures à peu près. Oui, ça fait à peu près 1h30. Maintenant, 2h30 que j'ai mis en ligne la vidéo Wanted. Donc, sur le jeu Mad Max. Pour l'instant, je n'ai que des retours positifs. Avec plein de pouces verts, enfin pouces bleus. Plein de commentaires comme quoi il faut la série. Donc, je suis ravi de votre engouement. Je pense que d'ici un ou deux jours, je pourrai demander. C'est juste histoire de leur laisser le temps de voir la vidéo, etc. à eux déjà de base. Faut savoir qu'ils me suivent. Je leur demanderai donc s'ils souhaitent toujours m'offrir ce jeu gracieusement et que je fasse un let's play dessus pour vous, si possible avec les offres de précommande, etc. Moi, je serai d'autant plus heureux. Alors, où est-ce que c'est? C'est là, n'est-ce pas? C'est là. Je m'en doute un petit peu. Allons-y. Il y aura aussi probablement un let's play sur. Enfin, plusieurs autres let's play cet été. Je sais qu'on est déjà au mois de juillet, etc.
Au mois d'août, en tout cas, il y aura peut-être un nouveau let's play qui viendra remplacer peut-être Tezo ou... Enfin, il y aura plusieurs autres let's play qui remplaceront, donc par exemple Tezo et Diablo. Tezo étant pas forcément apprécié apparemment. Il y aura aussi sûrement un autre let's play qui remplacera Diablo 3, parce qu'apparemment Diablo 3 ne vous plaît pas non plus. Je compte cependant, pour ceux qui apprécient le jeu, je compte cependant donc terminer l'histoire au moins. Donc ça déjà vous pouvez vous assurer, être rassuré. Je vais par contre, pour en venir à ce jeu, donc qui est Elite Dangerous, je vais rentrer dans le hangar, pour apparemment c'est comme si on n'entre pas dans le hangar on n'est pas safe. Donc je rentre dans le hangar, hop, pour pouvoir mieux en sortir donc. De toute façon je dois faire demi-tour donc pour redécoller. Donc une série qui vient de remplacer Tezo, une série qui vient de remplacer Diablo 3, donc une série Tezo donc qui sera enfin l'une ou l'autre si le jeu revient bien sûr sur Steam. Batman Arkham Knight, une autre série donc qui sera sans doute basée sur le jeu Ark quand il sera un peu mieux optimisé, un peu plus joli à jouer. Donc voilà, il y a de l'évolution, vous inquiétez pas, hein. Je sais que ça stagnait un petit peu, j'ai dû rajouter Fallout 3 qui a une réussite qui plaît de moins en moins. Bon bah écoutez, là encore une fois, si ça ne vous plaît pas, je lèverai peut-être dessus à côté pour en finir plus rapidement et faire l'histoire et passer à autre chose avec vous, chers amis. Tout ça, bien sûr, on aura le temps d'en parler, encore plus s'il y aura les lives, quand il y aura les lives surtout, tout simplement via... un chat direct dans le live qui se passera sûrement sur Twitch et peut-être de temps en temps aussi, dépendant du jeu en question, sur YouTube. Donc il y aura sans doute les deux en fait, tout simplement. Voilà pour la petite information. Pour tout vous dire, j'ai reçu la nouvelle box, j'attends plus que la mise en place de la ligne améliorée entre guillemets. C'est pas encore la fibre, on n'y est pas encore, chers amis, mais c'est déjà ça, c'est un début en soi. Hop. Donc voilà pour les petites infos à côté, on va peut-être pouvoir enfin aller attaquer le boulot tel qu'il est censé l'être. Voilà, disons d'ici 1 ou 2 millions, 8 millions ou 9 millions, on aura de quoi faire un bon Vulture. Donc si ça peut bien se passer dans la zone de conflit, ça pourrait être génial. Ça pourrait être absolument génial. Voilà. Au passage, je vois que j'ai plus la... Bon, étrange. Hop. Bon, allons-y. Oh, excusez-moi. J'aime pas, ça se place dans mon dos. Pour ceux qui connaissent, si quelqu'un sait comment on fait donc le déplacement libre de la caméra en dehors du vaisseau, je serais ravi de le savoir. Voilà, pour ceux qui connaissent bien le jeu. Hop. Alors. Serait-ce l'heure du combat, chers amis? What? C'est quoi ces planètes? On dirait deux couilles. Waouh, c'est très bizarre. Je dois reconnaître malgré tout que c'est assez stylé. Cependant, je vais devoir passer juste à côté, non, devant. Hop, c'est bon. Pfiou. Tant bien que mal. C'est très bizarre. Ah non, c'est bien une texture pourtant. Non, donc c'est simplement comme ça que c'est censé être. Scotty, une tête pirate, Scotty, Scotty inutile. Attends. Wouah, c'est peut-être pas le meilleur des choix que j'ai pu faire. What? Ok, je me fais violemment canarder. Alors vraiment violemment pour le coup. On va essayer de rejoindre nos copains. Ensuite de voir qui m'attaque. Ça insiste en plus.
Alors. Visons le générateur. Ah, apparemment, il a eu raison de mes lasers. Alors, il est balèze ce mec. Allez. En plus, il a vraiment un profil très particulier au niveau de son vaisseau. Dans cette position-là, il est fait pour gagner. Peut-être bouger un petit peu. Hein. Hop. Si on peut. Oui. Allez. Allez, Gertrude. Il est balèze. Je dirais même qu'il est très très balèze. Ah, vache. Bien joué. Ah putain, pile au moment où je recharge. Tu vas crever. Osera-t-il fuir? Non, on l'a eu. Putain, tant bien que mal, chers amis. Ouh. Allez, boum. Et dans ton cœur, ça fait boum. Oui, je l'ai vu m'attaquer. Wow. Non, non, non. Attendez, c'est incompétent. Compétent ou pas, il faut que je fuis. Je n'ai pas le niveau pour un piton. Pas encore avec ce vaisseau. Hop. Oui, j'ai remarqué que j'étais under attack. Ok. Il semblerait que ce fichu piton est toujours après moi. Hop. Si on peut s'échapper un petit peu de la zone de combat, chers amis. Hop. Et c'est sur ces entrefaites qu'on va se laisser pour ce premier épisode de cette saison de deux épisodes. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.